dans la vidéo d'aujourd'hui pour faire... Je voulais me rattraper un petit peu par rapport au Bellin. J'ai fait la... En fait, j'ai fait la petite présentation du tarot Bellin. Je vais normalement demain... vous allez voir la présentation du Bellin avec le Marseille. Et aujourd'hui, je vais faire la présentation du Bellin avec le Rider. Et je ferai, mais ça je ne l'ai pas encore, je vais faire après la présentation du Bellin avec le tarot des imagés du Moyen-Âge. Comme ça, on va un peu comparer ces tarots. Oups. Et voir un peu les différences et les similitudes. Donc, je me suis servi donc du Bellin, du Grand Bellin, hein, et du Rider-Waite tarot original. Voilà. Donc, je vous baisse et je vais faire comme hier, comme vous l'avez vu précédemment. Ne vous étonnez pas, j'ai ouvert le petit cadeau de Valou et c'est les paillettes qui sont toujours sur la table. Voilà. En fait, je fais le même jour, hein, c'est parce que je planifie un peu la vidéo, hein, c'est pas parce que je ne nettoie pas chez moi. Voilà, voilà. Attendez, je vous mets un petit peu au milieu. Voilà. Eh bien, nous allons donc commencer par le fou. Le magicien. Je vous laisse quand même regarder. La haute prêtresse. Je pense que dans le Bellin. Ouais. C'est la papesse. Ça me semble bien. Puis l'impératrice. L'empereur. Donc, il est vrai que, et ça, c'est ma petite coccinelle mime qui me l'a fait remarquer, le tarot des imagés du Moyen-Âge est encore plus proche, apparemment, du Bellin que le Marseille. Je trouve que celui-ci s'en éloigne un petit peu, mais il y a aussi des similitudes quand même. Il y a quand même des similitudes. Il faut vraiment... tout observer en fait. Voilà. L'hiérophante ici. Donc l'hiérophante, le pape. Ensuite, les amoureux. Le chariot. Là, nous retrouvons un peu le style sphinx. Je vous avoue que je n'ai pas fait la comparaison encore. Donc, je viens de mettre le tarot, je viens de le mettre dans le même ordre que celui-ci. Mais je n'ai pas pu faire la comparaison, je n'ai pas encore eu le temps. La justice. L'ermite. J'espère que vous pouvez bien voir, bien comparer. La roue de fortune. La force, donc j'ai quand même interverti la force et la justice que j'ai mis plus loin, alors que là c'est la justice. Non, la force est là, est 11, et là la force est 8. Donc j'ai interverti les cartes. Le pendu. La mort, là c'est l'arcane sans nom. Tempérance. Diable. Le diable. La tour. L'étoile.
La lune, pardon. Le soleil. Jugement. Le monde. Voici pour les mineurs. Maintenant, nous allons commencer donc par les cartes de cour. Donc le roi de bâton. Sont tout à fait différents là. Reine de bâton. Chevalier de bâton. Et le page. Ensuite, l'as de bâton. Le 2. Je peux aller un peu plus vite, vous connaissez les images. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous passons maintenant aux coupes. Donc le roi des coupes, la reine des coupes. Attendez, je me suis trompée. Non, non, c'est juste, c'est parce que je lis à l'envers, donc je lisais King. Je n'avais pas vu les deux dernières lettres. Donc, où en étais-je? Je ne sais plus, voilà. Le cavalier de bâton. De coupe? Oh là 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 là, ça ne va plus, là, il faut que je dorme. Le page et les as. 2, 3 de coupe, 4 de coupe, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes maintenant dans les épées. Le roi d'épée. La reine d'épée. Chevalier d'épée. Le page d'épée. L'as d'épée. Donc la main sort du nuage aussi. Le 2 d'épée. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le roi de pentacle. La reine de pentacle, le chevalier de pentacle, le page de pentacle, l'as de pentacle, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 de pentacle. Voilà, ainsi vous avez tout pu tout voir, comparer déjà ces trois jeux, donc le Marseille avec le Béline. Maintenant, on vient de faire le Rider avec le Béline. Donc, je vous retrouve. Cadre sur moi, voile. Donc voilà. Étant donné que Mime m'a
gentiment montré les images du tarot, du tarot des imagés du Moyen-Âge. C'est un tarot que je ne connais pas du tout. Et elle m'a montré comme ça deux, trois cartes. Et c'est vrai que quand on regarde le roi, je ne sais plus, le roi qui est assis sur un cube. Voilà, celui-là. C'est pas le roi, c'est... Voilà, pierre cubique. Eh bien, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc, je suis curieuse de l'avoir et de le comparer. Donc, je viens de le commander, pour vous dire la vérité. Je viens de le commander aujourd'hui. J'espère qu'on va traiter la commande rapidement et que je le recevrai très rapidement. Comme ça, j'en ferai aussi une petite vidéo comparative. Puis c'est gay aussi, voilà. On peut un peu se baser sur... Mais ce tarot-là, je ne le connais pas. Tarot des imagés du Moyen-Âge. Et en plus, j'arrive pas à retenir le nom. Donc voilà. Je vous montrerai directement que je le reçois. Je ferai la vidéo, je ne chercherai même pas moi à me renseigner. Je me renseignerai toujours après. Et voilà. Je vous remercie de... Ceux qui ne portent pas de lunettes, ils en ont de la chance. Moi, je ne supporte pas. On dirait toujours que je me balade avec un masque de ski. Bon. Ben voilà, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà. Merci. Passez une bonne journée. Et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et surtout... Soyez positifs.